pour la mairie, et je dis à la mairie, elle n'est pas trop bien vue au sein de la population. Et administrativement, bon, c'est une mairie qui est dysfonctionnée. Il y a une crise qui sévit dans la mairie depuis plus de 15 jours à 22 jours. Et depuis lors, la mairie n'a pas de travail. Nous devons comprendre, un jour, la mairie n'a pas de travail. Rapport avec partenaires mairie seulement. Parce que la mairie, toute ONG qui est dans le département, qui est dans la ville, là, toute instance, soit publique ou privée, qui est dans la ville là, et ensuite toute organisation de base encore qui est dans la ville là, encore qui est dans le département, qui a un rapport direct avec Méria. Méria, un jour, n'est seulement de travail qu'il a perdu, c'est un peu que c'est son catastrophe. Maintenant, Méria a plus de 22 jours, plus de 15 jours à 22 jours par travail, ça sous-entend que la ville est quand même enfermée. Elle est fermée autour de lui, à grand rien qui fait, on va regarder bien haut. Ça le goûte de en la ville. Même les volonté, mais par rapport à la structure qui n'est pas accessible au service, maintenant ça va permettre que Mérian à répondre à exactement des idées d'Alexis, servir la ville, propre la ville, permettre que Mouno va maintenant prendre soin de la ville. Maintenant, et ça te vite fait que le magistrat et Clovis, avec mon capable serviteur au bataille, qui a parlé avec vous, qui était décidé de retirer, nous disons, de retirer pour nous en dedans et l'administration communale là, si la situation peut persister et continuer comme ça. Maintenant, nous avons fait déclaration ça à travers les médias pour que nous puissions communiquer ça au grand public. Maintenant, c'est toujours un signal clair pour nous dire que si pas gagné un rien qui fait, si pas gagné une prise en charge directe qui prend au plus haut niveau de l'État, et dans le jour qui a venu là, n'a exactement soumis une lettre administrativement à acheminer vers le ministre de l'Intérieur, de ça pour que nous, directement, ça nous dit au niveau média, pour que nous mettions fin à ça. Mais nous avons suivi, il y a des négociations qui ont été faites pour avoir Brest, nous avons suivi, qui ça va le bail, que nous-mêmes, pour qu'on ait fin de semaine dans ça, qui ça nous fait. Donc on a vu un problème, 22 jours derrière, en fait, quand on va aller nous charger, pas vrai. Nous-mêmes qui sommes dans la mairie, qui sont en conseil de situation, ça va être plus de 22 jours, pas gagner aucune autorité dans le terrain. Nous ne sommes pas dans la mairie pendant 22 jours. 22 jours de grève, ça, c'est que la mairie est bloquée. Mais nous-mêmes, par stratégie, moi-même avec tout le magistrat Clovis, au moment que nous sommes dans la mairie, au moment du début de la crise, nous sommes assurés, non, soit par, avec une machine ben ou encore compressif, et voir qui t'a mis voir rien, Mériam, une seule machine va Mériam gagner, nous faire sortir, et ensuite nous demander tout et assistance à CNE ou TPTC pour aider nous nettoyer la rue. Mais et, ce n'est que vendredi, nous disons, et situation, j'en ai évolué à nous ralentir, nous retirer pour nous, dans le cadre de démission, pour nous garder ça qui a venu, mais et, au moment par là, on a TPTC dans la rue. Hein. Il n'y a pas de solutionner la question Fatra, mais il y a de répondre palliativement à la question Fatra pour que les gars ne s'en fassent pas. Mais c'est pour un bagage qui est définitif.